Good morning, Aleid, Daniel, tu seras aujourd'hui le Lunishmat, Mourir Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Nahuda, Sarah Batrana, Rachel, Shlomo ben Esther, Risha Batrim Nechemia, ainsi que les Refouat Avraham, Mourir ben Ruth, Kotor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Maserhet Zvachim, Perikyo de Mishnah Aleph. Kol atadir mechavero, kodem et chavero. Atmidim kodmin et la Mosafim. Mosfe Shabbat kodmin et le Mosfe Rosh Chodesh. Mosfe Rosh Chodesh kodmin et le Mosfe Rosh Hashanah. שנאמר מלבד עולת הבוקר, אשר לעולת תמיד תעשו את אלה. On va à présent aborder dans ce chapitre le sujet des korbanot, lorsqu'on doit apporter plusieurs korbanot dans une même journée. Selon quel ordre va-t-on devoir les offrir? D'accord? Il va y avoir des règles qui vont nous permettre de définir. Tu vas faire toujours le khatat avant la ola. Mais pour le moment, le premier sujet d'abord, ça va être quand il va y avoir une confrontation de deux korbanot qui vont se rencontrer. Par exemple, vous savez bien que le Shabbat, on doit apporter, par exemple, Shnei Kevasim, au Yom HaShabbat, Shnei Kevasim Ben Shana, comme ce qu'on dit dans le Moussaf, ou quand ça va être Pessah, il va falloir apporter des korbanot spéciaux, il va y avoir là-bas une Ola, une Khatat, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va se retrouver dans un Shabbat à Pessah. Ou encore, on va se retrouver dans différentes configurations, avec par exemple, on peut avoir, en général, ça tombe tous les ans pareil, Rosh Chodesh qui tombe en même temps que Rosh Hashanah, vous avez déjà remarqué, c'est normal parce que Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année et même du mois. Donc on offre des korbanot, c'est pour ça que dans le korban, dans le Moussaf, il y a écrit là-bas de bien dire être Moussafé, Rosh Hashanah, avec Yom Rosh Chodesh Hazé. Ouais, donc dans quel ordre, selon quel ordre on fait? Rosh Chodesh impose de faire un par deux, un par un il, un kevé, deux, je ne sais plus comment, ouais, par Shnei Kevasim, et deux. Bref, regardez là-bas dans le Moussaf de Rosh Chodesh. Et Rosh Hashanah implique aussi de faire des différents korbanot avec des chataot pour chacun. Il va falloir tous les apporter à Rosh Hashanah et Rosh Chodesh, selon quel ordre on doit les offrir. D'accord? C'est le sujet de tout le Perek. On commence d'abord avec une première règle. Il va y avoir quelques règles. La première d'abord, c'est Kol hatadir mechavero, kodem et chavero. Tout celui qui est plus fréquent que son ami, que l'autre, alors kodem et chavero. Il a la priorité sur son ami. C'est-à-dire, priorité à celui qui est plus constant. D'accord? C'est une grande règle qu'on retrouve ensuite même dans l'accomplissement de mitzvot, al-piyapshat. C'est pour ça qu'on met d'abord le talit avant les tfilin. Pourquoi? Parce que le talit, il est à dire, puisqu'on met tous les jours de la semaine 7 jours, alors que les tfilin, on ne met que 6 jours, et ainsi de suite, comme ça, toujours, kol hatadir mechavero, c'est le problème qu'on retrouve encore à. Je ne sais pas, moi, à Hanouka par exemple, selon quel ordre est-ce qu'il faut faire Arvit avant d'allumer les Nérotes, on rentre dans ce problème. Il y a plusieurs considérations, mais une des considérations là-bas, c'est justement, t'as Arvit, tu pries tous les jours, donc tu fais Arvit avant de faire dans ta Hanoukia. Ouais, c'est un avis qui est avancé là-bas en tout cas. C'est selon cette règle, Kol hatadir mechavero, kodem et chavero. Tout celui qui est plus fréquent, qui a une fréquence plus grande que son ami, donc il est kodem, il a la priorité sur son ami. Et on commence avec un premier exemple concret. Atmidim kodmim nasmusafin. Tous les jours, on apporte le korban tamid. Deux korbanot tamid. La paracha qu'on lit dans les korbanot d'avant la tfila, olat tamid asuya berzenai. Alors là-bas, on rapporte le olat tamid. L'holocauste perpétuel, je crois que ça s'appelle en traduit en bon français. C'est celle qu'on fait tous les jours de l'année. On ouvre la journée des korbanot avec en apportant d'abord la ola. Cette olala, elle doit être la première. Pourquoi? Parce qu'elle est plus tadir. C'est d'ailleurs de là la source qu'on va apprendre, justement, cette règle, comme on va expliquer à la fin de la Mishnah. Donc, atmidim, comme de kodmin, la moussafim. Un jour, on doit apporter des moussafim. Le mot moussaf, ça vient des korbanot supplémentaires. Un jour, on doit apporter des korbanot supplémentaires. Malgré tout, le tamid, le korban tamid, shel shachar, il va toujours les devancer. Bon. Idem encore, mousfe shabbat kodmin, la mousfe rosh chodesh. Les suppléments de shabbat vont avoir priorité sur les suppléments de Rosh Chodesh. C'est-à-dire, on se retrouve avec un Shabbat qui tombe à Rosh Chodesh. En l'honneur de Shabbat, il faut apporter deux kvasim, deux moutons. En l'honneur de Rosh Chodesh, on a là-bas 11 korbanot à apporter, par Haïl et 7 kvasim, et à part ça, il y a le Seir Khatat aussi, par Haïl, je crois qu'il y a deux Ilim, et 7 kvasim, avec un Seir Khatat. Selon quel ordre tu les fais, tu commences d'abord à faire Shabbat avant de t'occuper de Rosh Chodesh. Pourquoi? Shabbat, c'est 52 Shabbatot à l'année, ou 54, tandis que
Rosh Chodesh, c'est 12 fois à l'année, parfois 13. Donc c'est moins, donc priorité au Shabbat. Idem encore, Mousse Rosh Chodesh, donc Kodmine Mousse Rosh Hashanah. Rosh Chodesh, c'est 12 fois par an. Rosh Hashanah, c'est une fois par an. Lorsqu'on se retrouve à Rosh Hashanah, qui est aussi Rosh Chodesh, tu fais les corbanot de Rosh Chodesh avant ceux de Rosh Hashanah. Shenehemar, comme nous dit le verset qui va nous apprendre cette règle, Shmileva dolat aboker, asher leolat atamid, ta'asuet elle. Littéralement, d'abord, on est en train de parler là-bas dans les corbanot, dans Bamidbar, on est dans Pinchas. Là-bas sont évoqués tous les corbanot des Moussafim à faire à chaque occasion des fêtes. Et là-bas, alors la Torah me dit, tu sais, tu devras apporter ces corbanot à tel jour. Mileva dolat aboker, en plus de la Olat HaBoker, de l'Holocauste du matin, du Corban perpétuel, Asher le Olat HaTamid, que lui, tu le fais monter tout le temps, ta souhait elle. Regardez cette insistance. Il va nous dire juste, Milevad Olat HaBoker, ta souhait elle. Que tu feras tous ces Moussafim, ces suppléments, en plus de la Olat HaBoker. Pourquoi tu as besoin de me dire, Asher le Olat Tamid, qu'elle, elle monte en guise de Ola, d'Holocauste, Tamid, tout le temps, perpétuel. C'est une insistance. Pour m'apprendre quoi? Pour m'apprendre, je te donne la raison. Tu feras ces corbanotes en plus de la Ola du matin. Pourquoi? En plus de la Ola du matin que tu as déjà fait. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont Asher le Olat Tamid, que c'est un corbanote, que c'est un corban que tu offres perpétuellement. Et de là, la fameuse règle, Tadir Veshano, Tadir Kodem, je colle à te dire mes chavéros, codem et chavéros. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la sacra colle, tout ça.